partait du maximum. Voilà, et c'est Lyubov Sheremeta, la meilleure des Ukrainiennes, en l'absence de Lilia Podkopayeva, qui va s'élancer au bar asymétrique. Grand tour avec le corps presque tendu, les jambes serrées. Première partie volante, le Ginger. Elle aussi, de belles pirouettes en appui renversé, même une et demie. Avec donc une augmentation de la difficulté, ce qui va entraîner une bonification d'un dixième de point. Très tranquille, ce passage de la barre inférieure à la barre supérieure. Et un bel élan, elle aussi pour le Tsukara. Sheremeta, on va la retrouver en finale sur cet engin, Sheremeta, comme on la retrouvera également en finale à l'exercice au sol, samedi et dimanche prochain. Elle a terminé au 18e rang des qualifications, du concours individuel des qualifications. C'est une très bonne prestation pour cette petite Ukrainienne. Jeune fille de 17 ans. Et qui est à la bonne école ici avec Ludmila Korolenko, l'entraîneur de cette équipe d'Ukraine. Sheremeta qui a obtenu 9,75 au sol pour son premier engin, qui a obtenu 9,306 au saut de cheval et qui devrait ici obtenir environ 9,50 au moins pour cette prestation. Ça pourrait être même mieux parce que la prestation de Sheremeta était remarquable. Oh oui, c'est mieux. 9,625 pour Sheremeta. C'est la quatrième meilleure note des barres asymétriques. Bien parti.